Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog vraiment le fun. C'est le week-end de ma fête, fait que dimanche c'est ma fête. Fait que là, Simon puis moi, on s'en va pour le week-end au Vermont. Fait qu'on va passer la journée de samedi à Plattsburgh, puis le dimanche, on va aller à Burlington. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. J'ai super hâte de partir. Là, on est vendredi sur l'heure du dîner. Fait que je suis en train de faire mon petit bagage, là, comme je vous ai montré. J'apporte pas grand-chose, là, vu qu'on part juste 2 jours, mais je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de voir un peu les cadeaux que Simon m'a acheté, puis tout ça. J'aime vraiment ça. Fêter ma fête, autant fêter la sienne que la mienne. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Là, c'est ça, ce soir, on va partir vers Plattsburgh. Donc, on a pris 2 Airbnb à Plattsburgh. Puis, le dimanche matin, là, on va prendre le bateau pour traverser à Burlington. Puis ce soir, justement, on se disait qu'on allait manger sur la route, sûrement un petit McDo. Là. C'est comme notre classique là, de road trip, de manger du McDo. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Puis, je sais pas, j'aime juste ça comme partir en auto, puis avoir comme un petit road trip de prévu. Changer de bras, ben, j'ai comme mal à tenir la caméra là, avec mon bras droit. Mais c'est ça, je pense que ça va être vraiment le fun. Ça va être un petit week-end de magasinage, un petit week-end relax comme je les aime. On va sûrement aller aussi au resto pour fêter ma fête. Je pense qu'à Plattsburgh, on va aller aussi, bien sûr, au Target. Le Target de Plattsburgh est vraiment plus gros, vraiment plus nice que celui de Burlington. Fait qu'on va aller faire un tour. Je vais aussi aller au Hobby Lobby. Donc, j'ai vu qu'ils ont déjà sorti leur déco de Noël. Fait que ça va être un drôle de mix dans le vlog. Là. Ça va être sûrement des décos d'Halloween, automne et aussi Noël. Parce qu'un peu comme ici, là, ils ont déjà commencé à sortir les décos de Noël. Fait que j'ai full hâte de voir ça. J'avais le goût aussi d'aller au Home Goods, TJ Maxx. Ça ressemble un peu au Home Sense là, qu'on a ici. Puis sûrement Walmart aussi, regarder les snacks qu'on n'a pas ici, les boblies, les trucs à manger là, qu'on n'a pas ici, ça serait vraiment le fun. Je vais regarder peut-être aussi un petit peu pour du linge au Target, du linge d'hiver, ça pourrait être cool, des pyjamas, choses comme ça. Mais sinon, bien sûr, de la déco. Fait que c'est ça, ça va être vraiment cool comme week-end, je vous amène avec moi pendant ce petit road trip au Vermont. Okay, 8h30, on a fait la route, on a passé les douanes, ça a super bien été, vraiment rapide. Puis là, c'est ça, on vient d'arriver au Airbnb pour la nuit. Donc ce soir, c'est ça, on est à Plattsburgh. Mais enfin, les 2 nuits, on va être à Plattsburgh. Puis je savais pas qu'est-ce que Simon avait réservé, là. C'est une surprise pour ma fête. Je suis full contente, c'est comme une petite tiny house, vraiment cute. Là. Il y a comme la petite cuisine ici, la salle de bain puis la chambre. Fait que c'est vraiment tout petit. Puis il y a comme d'autres Airbnb dans le coin, puis c'est sur le bord du lac Champlain. Fait que c'est ça, je pense que ce soir, on va juste se reposer, puis on va se retrouver demain matin pour un petit café, puis je pense qu'on va commencer la journée avec le Target. J'ai trop, trop hâte. Il y a un Starbucks dans le Target, fait que je pense que ça va être super, puis on va aller voir toutes les décos, tous les trucs au Target. Un petit café ce matin sur le bord du lac, c'est vraiment le fun. Là, il est rendu 9h le matin, puis on se dirige vers le Target. J'ai trop hâte. Je pense que je vais prendre un café au Target, au Starbucks, juste parce qu'il n'y avait pas de lait dans l'Airbnb, puis j'ai comme pas pensé, mais un café noir, j'aime pas vraiment ça. J'ai quelque chose, je vais me prendre un petit latte au Starbucks. Puis, c'est ça. Simon, il m'a donné sa petite carte ce matin, puis genre des petits cadeaux à déballer pendant le week-end. Fait que j'ai vraiment hâte de faire une belle petite journée. Thank you.
est dimanche matin, on est en train de pacter l'auto, on est à notre deuxième Airbnb. Hier soir, je n'ai pas trop vlogué après le souper au Chipotle parce que dans le fond, on s'est rendu au Airbnb. Puis, on s'est comme rendu compte que c'était un Airbnb, c'est une chambre chez quelqu'un. Fait que, ben, tu sais, c'est super beau la chambre, c'était super bien coté, puis tout ça. Puis t'as comme accès quand même à la maison, puis tout ça. Mais c'est juste qu'on n'est comme pas habitué d'être chez quelqu'un. Là. D'habitude, on prend comme un logement ou comme le host du Airbnb est pas là. Ce matin, on va aller au Dunkin' Donuts, je pense, prendre un petit déjeuner, un petit café, puis on va dîner. Puis finalement, je pense qu'on va s'en revenir tranquillement à la maison. On n'ira pas à Burlington finalement. On va aller peut-être passer un petit peu de temps là, sur la rue principale à Burlington. Mais comme on est allé au mois de mai, on se dit que dans le fond, on vient de le faire. Puis c'est aussi qu'on veut revenir pas trop tard à la maison. Simon travaille, en fait, Simon voyage pour le travail cette semaine. Fait qu'il y a des choses à préparer là, avant de partir. Puis ben moi, ça fait mon affaire aussi là, de revenir puis d'avoir un petit après-midi. Se mettre à jour à la maison avant le retour au travail. J'ai reçu ce matin mes cadeaux de fête, fait que je suis full contente. Simon m'a donné une belle carte cadeau du Starbucks, fait que c'est toujours le fun à recevoir, je trouve. Je vais pouvoir l'utiliser dans les prochaines semaines. Sinon, il m'a donné aussi une roue d'été de David City. En fait, j'y avais demandé si possible si je pouvais recevoir le calendrier de l'Avent de David City. Il m'avait demandé comme des idées cadeaux, là, puis quand il est allé en boutique, il l'avait pas. Fait qu'il m'a donné une roue d'été, mais il m'a dit « on peut changer si tu préfères là, avoir plus le calendrier de l'Avent de Noël de David City ». Je pense que c'est ça que je vais faire. Là. Lui, ça ne dérange pas du tout que je l'échange. Fait que moi, ça ferait mon bonheur d'avoir le calendrier de l'Avent de David City. Honnêtement, je pense que je l'ai peut-être que je l'avais acheté comme une fois là, il y a plusieurs années. Puis là, le calendrier de bonbons que j'achetais, on dirait que ça fait des années que je l'achète. Fait que je suis comme un peu tannée. Fait que ça me tentait d'essayer plus le calendrier de l'Avent de David City. Fait que je suis full contente. Puis sinon, ben, il m'a donné ce super beau collier. Dans le fond, il m'a donné la chaîne en premier, une super belle chaîne en or. Là. La couleur est super belle. Vraiment délicate. Vraiment une belle longueur aussi. Là. J'aime ça souvent porter des chandails col rond comme ça. J'aime pas ça quand la chaîne est trop courte là, puis que ça rentre puis ça sort. Là. Fait que je trouve que la longueur est parfaite. Puis il a trouvé, dans le fond, une pierre... précieuse là, qui était je me souviens plus du nom là, je vais y demander, mais il a acheté il l'a commandé en fait aux États-Unis, puis il l'a fait venir parce qu'il disait que il voulait une pierre comme ça parce qu'il sait que j'aime beaucoup l'automne, puis que c'est comme ça ressemble les couleurs là, à l'automne, mais que souvent est plus faite dans un jaune pâle, puis il voulait plus un jaune foncé justement pour que ça fitte avec l'automne. Fait que c'est comme une pierre qui est un petit peu plus rare là, fait que en tout cas, fait que je suis full contente. Il a pensé à tout ça, puis il m'a fait full un beau week-end de fête, fait que je suis vraiment gâtée. Fait que là c'est ça, on va reprendre la route aujourd'hui, puis on s'en revient à la maison, puis je vous montrerai mes achats au retour. On est rentré de Plattsburgh, puis je voulais vous faire un petit haul de mes achats. Donc au Target, il y avait un petit peu de déco de Noël qui commençait, mais sinon c'est surtout de la déco d'Halloween, d'automne. Premièrement, j'ai trouvé cette petite chemise-là, carottée, que je trouvais super belle. Et c'est comme un genre de crème avec un orange brûlé, comme ça. Fait que je pensais comme rouler les manches, puis la porter ouverte. Fait que je l'ai pris plus grande que ma taille habituelle, puis c'est déjà aussi une taille qui est faite lousse, comme pas une taille mais un vêtement qui est fait lousse, puis comme plus long à l'arrière, fait que je pensais que c'est ça la portée ouverte avec un t-shirt relax en dessous. Ensuite j'ai trouvé un coton watté que je trouvais vraiment cute, puis dans le fond ça c'était, ouais c'est ça, j'ai deux chandails qui c'était 28$ USD, le coton watté était 20$ USD. C'est un coton watté vraiment simple, comme ça, juste gris comme ça, avec le capuchon. Mais encore une fois, je l'ai pris un petit peu plus large que ma taille habituelle, fait que comme ça, il est plus lousse, puis il est fait court, un peu comme carré. Fait que ça, j'aime bien ce genre de coupe-là pour les vêtements. Puis, dernier morceau de linge que j'ai trouvé, c'est une petite veste comme ça. Fait que c'est celle-là aussi qui est 28. Fait que c'est une petite veste beige, comme ça ici, vraiment simple, elle n'a pas de bouton, rien, puis elle est quand même longue, il me semble, quand je l'avais essayé. Ensuite, je regarde toujours les boblis, on aime beaucoup les boblis, fait que aux États-Unis, ils ont comme des saveurs qu'on n'a pas ici. Fait qu'on avait vu cette saveur-là, fait qu'on était allé, je pense, au mois de mai. C'est orange cream bubbly.
Fait que c'est Orange Vanilla Flavor with Other Natural Flavors. En tout cas, fait que c'est comme les popsicles à l'orange. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Je vais les mettre au froid. Ensuite, on a une fête d'enfants thématique Halloween la semaine prochaine. Fait que quand on a vu ça, je trouvais que c'était tellement parfait comme cadeau. Fait qu'on a pris ça, c'est un ensemble de biscuits à décorer. Fait qu'il y a 16 biscuits à décorer avec les petits glaçages, les petits bonbons. Fait qu'on s'est dit que ça allait être une petite activité le fun. Puis je trouve que c'est un beau petit cadeau à donner. Puis c'est ça, au Target, il y avait, en tout cas à l'Halloween puis à Noël, ils ont tout le temps des boîtes comme ça avec des activités ou des trucs à décorer. Là, il y avait des belles maisons en pain d'épices aussi. Sinon, on a pris des saveurs de Doritos qu'on n'a pas ici. Fait que c'était toujours le fun de regarder aussi. Fait qu'on a pris Sweet and Tangy Barbecue Flavored. Comme ça ici. J'ai bien hâte de goûter. Puis on a pris aussi Tangy Pickle. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Puis sinon, dernière chose qu'on a pris au Target, c'est la sauce du Chick-fil-A. Fait que je savais qu'on pouvait l'acheter au Target, puis au mois de mai, ben, on n'avait pas goûté encore à la sauce. Là, on est allé après le Target là, au Chick-fil-A, puis on aimait full la sauce finalement. Fait que là, ben, en allant cette fois-ci, j'en ai acheté un pot. Fait que je suis full contente, là, on va pouvoir en manger là, à la maison. On passe ensuite avec le Hobby Lobby, qui avait peut-être une ou deux rangées d'automne, mais sinon c'était le magasin plein de déco de Noël. Fait qu'on a trouvé plein de choses, c'est là qu'on a trouvé le plus de trucs de Noël en fait. Fait que première chose, on a pris un petit tapis comme ça, qui est comme tressé là, un genre de blanc crème là. Puis c'est un plus petit format, dans le fond c'est un 30x30. Je me suis dit que ce serait vraiment le fun de le mettre sur notre petit sapin qu'on a acheté l'année passée d'ailleurs au Target, au Hobby Lobby, qu'on a mis dans la cuisine. Je sais pas si vous vous souvenez, là on avait fait un petit sapin dans la cuisine. Puis on l'avait pas décoré, on avait juste allumé les petites lumières dedans. Puis c'est ça, je m'étais dit que ça pourrait être le fun d'avoir un petit tapis blanc, soit comme en fourrure ou bien comme en tricot comme ça. Fait que je pense que ça va être vraiment beau. En tout cas, j'espère que le format va bien fonctionner. Sinon, ben au Hobby Lobby, ce qui est le fun, c'est qu'il y a toujours des ventes. Puis là, ben il y avait un 50% de rabais sur toute la déco de Noël. Fait que ça vaut vraiment la peine, là, plus qu'ailleurs en fait. Donc ensuite, j'ai pris un petit porte-savon comme ça que je trouvais tellement mignon. J'en avais acheté un l'année passée, je pense au Target, là, puis on le met dans la cuisine. Puis là, ben, je voulais en avoir un pour la salle de bain. Fait qu'une petite maison en pain d'épices, il y avait tout plein de trucs thématiques pain d'épices comme ça, là, au Hobby Lobby. Fait que je le trouvais super mignon. Ensuite, ici, j'ai trouvé une super belle assiette, comme une assiette de présentation. Comme ça ici, qui me faisait penser... souvent, la marque Rifle Paper & Co, ils ont des motifs comme ça, là, de casse-noisette. Ça me faisait vraiment penser à ça, là. Fait que c'est une super belle assiette avec les petits contours, là, tout gondolé comme ça. Il y a du doré, puis il y a tous les petits personnages, là. Fait que je la trouvais tellement belle. Donc, j'ai déjà hâte de l'utiliser pour faire des petits plateaux charcuterie pendant le temps des fêtes, ou bien un petit plateau dessert, ça serait vraiment le fun aussi. Ensuite, il y avait full d'ornement pour le sapin, puis ça, là, je la trouvais tellement beau. Un petit champignon comme ça, en genre de feutre, avec un petit bout en bois. Je l'ai trouvé super mignon à ajouter dans le sapin. J'ai aussi pris la petite souris comme ça, qui tient son petit bonhomme de neige. Je l'ai trouvé fou mignon. Il est comme tout habillé en hiver, là, fait que je l'ai trouvé super belle. Ensuite, on a pris ces gros sapins-là, comme ça ici, je l'ai trouvé super beau. Comme un genre de petit vert pâle, un peu turquoise, là, puis il y a comme de la petite neige dessus. Fait qu'on a pris, dans le fond, il y avait comme un gros format, un moyen, un petit. Puis je me suis dit que ça serait vraiment beau de mettre ça sur le buffet pendant le temps des fêtes. Là, ça serait vraiment beau vu que le buffet il est comme plus gros. Fait que des fois, ça prend des items un petit peu plus larges. Fait que j'ai pris le plus gros format comme ça, puis le moyen. Donc comme ça ici, les deux sapins. Fait que je pense que ça va être vraiment beau de les mettre ensemble comme ça là, sur le buffet pour le temps des fêtes. Prochain item, c'est une belle tasse comme ça de bonhomme de neige. Il y avait tellement des belles tasses au Hobby Lobby cette année. Puis celle-là, je l'avais vue l'année passée parce qu'on l'avait donnée en cadeau de Noël. Puis ben là, je me suis achetée pour moi. Fait que j'étais vraiment contente de la revoir cette année, ce modèle-là. Fait que je la trouve super mignonne. Ensuite, j'ai pris cette deuxième tasse-là que j'avais vue sur... je pense que c'était sur Instagram ou sur YouTube, je me souviens pas. Mais je la trouvais tellement belle avec les petits bonhommes en pain d'épices comme ça tout le tour, la petite poignée rouge, le petit bas vert comme ça.
Puis à l'intérieur, là, il y a les petites feuilles de gui comme ça, fait que je la trouvais super belle. C'est tellement un bon format aussi pour des lattés. Parce que je trouvais aussi qu'il y avait des belles tasses, mais des fois, elles sont comme vraiment trop grosses ou le bord est trop large, puis c'est comme moins le fun pour boire dedans. Mais celle-là, je la trouvais super belle. Ensuite, ici, j'ai pris une petite assiette comme ça, style pour un petit dessert, là. Je trouvais que c'est un format parfait, fait que c'est un petit format, là, qui dit « Joy » dessus. J'aimais vraiment tous les petits motifs comme ça, rouge, puis la petite bordure rouge aussi, là. Fait qu'il y en avait d'autres, des modèles d'assiettes, mais j'ai choisi celle-là. Puis honnêtement, quand je suis allée au Hobby Lobby, j'avais comme au moins 2-3 rangées, là, de vaisselle de Noël. C'était tellement beau. Je vois que j'avais comme plus quoi choisir, tellement il y avait du choix. Ensuite, ici, ben c'est ça. Ça, c'est un autre truc de vaisselle. Je cherchais des petites tasses à expresso de Noël. J'en ai acheté cette année, là, des petites tasses d'expresso, mais plus pour l'automne, Halloween. Puis là, ben, j'avais le goût d'en prendre pour Noël quand on fait nos lattés. Puis là, il y en avait tellement des belles, honnêtement. J'étais super contente là, quand j'ai vu celle-là. Fait que j'ai pris le petit Père Noël, puis celle-là, c'est le modèle avec les petits yeux fermés, là, qui est comme toute contente. Et je la trouvais super cute. Puis, dans le fond, j'en ai pris une deuxième comme ça. Fait qu'on va pouvoir les mettre sur la machine à café, là, quand on va décorer le coin café. Fait que ça va être tellement mignon. Et puis, dernière place qu'on a fait des achats, c'est le Home Goods. Fait qu'on a vu un shaker, fait qu'on s'est dit qu'on allait en prendre un nouveau, vu que le nôtre, il a tendance à couler, là. Quand on le check. Fait que c'est pas super pratique. Puis, tant qu'à faire, on a pris comme un shaker qui est plus gros, fait qu'on va pouvoir mettre plus de liquide à l'intérieur. Puis, on trouvait que cela était vraiment le fun parce que t'as comme des recettes, là. En fait, tu choisis le drink que tu veux faire, puis ça te dit quoi inclure, là, comme ingrédient dans ton drink. Donc, on a pris ça ici. Sinon, j'ai pris des petits morceaux comme ça de canne de bonbons écrasés. Donc, ça va être pour un cadeau de Noël, là. Pour inclure là, pour un petit kit là, de chocolat chaud. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des pâtes. Il y avait des pâtes thématiques Halloween. Puis, il y avait aussi des pâtes de Noël. Fait que j'ai pris celles de Noël. Fait qu'elles sont comme avec des formes différentes. Fait qu'il y a des petits sapins, des cadeaux, puis des étoiles. Puis, ils ont comme différentes couleurs là, de Noël. Fait que j'ai bien hâte de faire des petites pâtes avec ça. Et dernier achat. Simon, il aime beaucoup les pierres, fait qu'on a pris ça ici, c'est comme un appui-livre, là. Fait qu'on le trouvait super beau, honnêtement. Il y en avait d'autres modèles, mais celui-là, c'était vraiment le plus beau. Fait qu'il y en a deux, puis dans le fond, je vais lui donner dans son cadeau de Noël, là, même s'il le sait déjà, là. Fait qu'ils ont l'air de ça ici, fait qu'on s'est dit que sur ses tablettes, là, dans son bureau, ce serait vraiment beau. Ça fait le tour de nos achats qu'on a fait à Plattsburgh. J'ai vraiment passé un beau week-end, fait que je suis vraiment contente là, d'avoir pu vous filmer des petits clips là, dans les magasins pour vous montrer la déco aux États-Unis. Fait que c'est ça, je vous dis un gros merci, puis on se revoit la semaine prochaine! Mm-hmm.